La finale des winners brackets de ce team 2 contre 2 sur la main de Bushido. Allez, c'est parti. Alors attendez. Yamazaki qui se trouve actuellement à gauche, si je ne me trompe pas. À l'overhead, ça ne ressemble pas à ça. C'est qui se trouve à gauche? Et non, c'est ça? Hein? Yamazaki qui est à droite, donc avec le bleu un peu rouge. Et Jim se trouve à gauche avec le rue au banc jaune. Ça, c'est difficile de distinguer, vous avez pu faire un effort. Attention, le décalage chop ici qui ne passe pas. Elle est dans le banc, sur la tête qui passe, Taï Shoryu. Attention à la relever. On a la petite surprise au médium kick. Allez, voilà, Dragon Ball, ça vous l'avez dit. Je vous l'avais dit, Yamazaki qui est le roi de ça. Placer un Dragon Ball dans tous les sens. Tatsumaki pour se rapprocher. Petit trou à la relever. Tatsumaki fin de cross-up. Et c'est rentré, le combo est rentré. Attention, c'est un plus. Voilà, il y en a qui se remet à distance. On ne sera pas trop chaud d'être rapproché du coin. Les Hadoken doivent se faire de façon judicieuse. Et le Machagan, c'est arrivé sur un Plexus. Bien joué le dragon pour casser le backdash. Du choc de la part de Yamazaki. La médium, chacun ne peut pas dire Hadoken. Dans une mauvaise position, Yamazaki. Il n'y a pas l'avantage positionnel. Le centre point qui passe pas pour le voilà, je vous l'avais dit, c'est le problème d'être en coin. C'est le problème, c'est que ça sort très vite et Jimmy le voit. Hadoken le voit. Premier round pour Jim. Il y a qui passe dans la garde. Chaque mètre de côté, Jim qui prend l'avantage sur le Hadokrat. Il va maintenant se positionner. Avec l'avantage positionnel aussi joué par Jim. On voit Yamazaki déjà, voilà, beaucoup plus offensif qui essaie d'aller vers l'avant. Il ne peut pas reproduire les mêmes erreurs que le dernier coup. Il y a un moment qui va trop aller espace d'enfant. Va venir Hadoken, c'est contrôlé. Va venir Hadoken, ça casse la série. Nous sommes verticales, sur notre qui prend ça, c'est cassé. Non, mais il n'y a pas de pick-up. Il faut l'eau, voilà, pour prendre l'eau. Là, c'est l'arpège dans la série, c'est l'arpège Taï Shoryu, il prend pas de risque. Va venir la relever, des crash-shots, c'est déjà joué par Yamazaki. Il y a quasiment égalité sur l'arpège de la série. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin du tout. Il y a pas de attention, il prend le chapinette dans la garde, pas trop entier. Le dash avant chop. Bien joué, la chop, voilà, retomber overhead. Tout de suite, les gars, prend l'overhead. Agile, on va se préparer, attention, la balayette qui est passée, elle dit jump shot, sortir un tout petit peu trop loin. Il y a un instant de Hadoken de la part de Yamazaki qui ne veut pas prendre de risque. Sur la Hadokrat, c'est inutile, ça c'est absolument inutile. Il y a mieux qu'on trouve tout simplement qu'on avance. Il y a moyen de faire le résultat, par exemple, là, il y a une petite Taï Shoryu qui se perd là-dessus, quand même, si on ne recule pas trop là encore. Il y a des gens qui servent sur le concept des chops, qui essayent évidemment de trouver l'ouverture, mais qui pour le tout. Le croisement médium qui gratte, attention, il fait derrière Yamazaki, il est derrière Yamazaki. Il est rentré en plus. Ah, il va comprendre, il y a Yamazaki qui essaie de choper. Ça, c'est une phase que Jin a déjà vue, se fait pas voir, bien entendu. Un parti, comme vous avez dit, c'est une pose très équilibrée. Ça joue vraiment très bien des deux côtés. Il y a deux sens, après, il y a tout passé. Il y a Yamazaki qui mais non, on ne fait pas deux fois la même chose. Sur Jin qui s'y passe une chope. Attention, son combo, un 20 médium décalage chope, c'est dégagé par le backdash. Yamazaki a attendu, il vous a dit ça, c'est la vérité. La médium kick, ça se cherche. Ça balaye le pont là, avec ses 20 médium kick. Ça essaie de trouver l'ouverture de garde. Avec le Zudu Kakitoru, pas trop entière. Bon, vous voyez, Yamazaki qui est attentif. Soit HK, ça touche très loin. Le Jin est attentif, il garde tout simplement. Le Jin est une personne avec laquelle on récupère l'énergie. C'est fait, il faut régaler. Il y a deux têtes qui passent, des deux côtés. Et encore, il y a une tente de nos adversaires, ça se rend compte. Non, pas ça, le petit. Par balayette, un petit jump shop, c'est déjà fait par Yamazaki. Le Pamedium ex Hadoken, il cherche le net dans la garde. Ça se regarde, ça se regarde par le Zoni. Et c'est Yamazaki qui lance cette unité comme très souvent. Le Tatsumaki prend sa plus double touche sur le dragon. Il sort dans le bon sens. Heureusement pour Jir que ce dragon est sorti. Et la légère avance prise par Yamazaki, mais il n'y a rien du tout. La voyelle qui sort, c'est vraiment impossible à Hadoken. Voilà pourquoi. Parce que le ex Hadoken sort. Ou le met sur grand pied. Balayette, attention à la relever, il a évité la chope. Yamazaki qui est bien parti pour remporter ce route pour prendre sa revanche sur Jin. Attention, je le protège. Non, pas sur Ex-Hadoken, ça va plus faire mal. Nigetatsu, Yamazaki ne prend pas de rune. Attention, il reste 10 secondes au compteur. Il reste 10 secondes, Jin doit passer à l'attaque. Nigetatsu, c'est fort, il va le faire, Yamazaki. Non, il va avoir une distance de Nigetatsu. Il reste 3 secondes, pour qu'il fait l'ultra. Voilà, 2, 1, et c'est fini. Moi, je vais juste transmettre un petit peu, je vous remercie. Pour avoir une vision sur un semblant d'écran. Rose à votre gauche, c'est Luffy. Ryu
à votre droite, évidemment, c'est Yamazaki qui ouvre la marque, qui sait qu'il force attaque sur la Noken. Sous le pas, sous le Sten Asuka, mais pas passé. Allez, encore le Asuka qui s'est cassé par le sous le gros pied. Bamedium sous le spiral, Bamedium qui passe, c'est incroyable. Je vois même pas la Xbox de Bamedium, la carotte de Satsu bien protégée par Luffy. Comme aussi un cross-up Medium qui le sous spiral dans les gardes, backdash, c'est safe. C'est safe, ça vous permet juste de dégrader, j'ai la barre super, il a tout petit peu raté sa glissade là. Bien joué, le sous reflex pour absorber. Si vous n'avez pas l'habitude de le voir, j'ai Rose, regardez bien la barre du super de Rose qui est déjà remarquablement chargée. Et sous reflex qui absorbe les bouts de feu qui en fait charge la barre. Et le sous reflex sous radio qui permet à Yamazaki vraiment très bien géré Luffy. Balle de match Yamazaki là quand même pour la AAA team. Attention, Luffy se tape tout droit l'erreur. Sous reflect, lefty jump cross-up, Bamedium punch, sous spiral, ça passe dans les gardes, mais sous spiral malheureusement qui ne confirme pas le Bamedium punch, il peut rater, mais Luffy a ça super, c'est-à-dire s'il trouve l'ouverture de garde, et ben c'est 50% de barre quasiment sur Yamazaki, Nikitatsu, ça c'est pas bon ça, et ce gros point, enchaînement de light, sous spiral safe, Bamedium il a essayé un follow-up, ça va pas passer, il a glissé ça, il passe en tout, la choc déchauffée par Yamazaki, mais surtout les petits trop. Elle a essayé de pouvoir aller sous le parc, c'est quoi se rendre des balayettes. Il a réitéré Luffy, attention là, un petit peu à mauvaise distance cette glissade. Bon, bah, sur le reflex, il a toujours sa super Luffy qui est en avance à l'énergie, pas trop en tir, bien sûr, par dash avant pour aller pêcher. Et la pas trop qui passe. Par contre, ça sort Yamazaki du coin. Bon, Yamazaki a quand même l'habitude de revenir dans le coin assez rapidement. Bien, prochainement, là, quand dommage, j'ai pas de confirme là-dessus. Le dragon pif, puni par pas de gros point, ouais, ça. C'est un peu le compte là, mesdames et messieurs, un peu la punition à la française, mais Rose a quand même beaucoup d'avance, sous reflex, balayette, enchaînement. Voilà, glissade, enchaînement de live. Luffy, vous voyez, à la fois Yamazaki qui s'est imposé très nettement lors du premier round, et Luffy qui nous rend exactement la même chose. C'est l'équilibre entre ces deux persos, vraiment très bizarre. Soit Luffy prend, attention le chiffon réflex, ça ne passe pas, et la barre du super. Qui est maintenant parti ensemble pour Yamazaki qui recule sous les becs. Oh, il semble avoir trouvé la solution Luffy là. Attention encore cette série de Hadouken, Yamazaki se trouve dans le coin. Elle a essayé de dash avant, bas gros point. La dernière phase qui est passée, mais c'était un Nikitatsu qui a permis à Yamazaki de sortir du coin. Mine de rien, Yamazaki est encore dans sa énergie. Pourquoi sous le spark, hein. Faut pas envoyer des maladies, c'est du coup à se prendre des trucs. Et attention le revanche sous spark, bien joué. Le dernier Tatsumaki arrière qui permet à Yamazaki d'éviter. Oh, attention, le top de relevé, le Tatsumaki en fake de cross-up sur leur plexus dans la garde, essayer la chope. Ah, attention, c'est safe ça, Yamazaki. Le sous-spiral dans la garde, il peut prendre des Bamedium de partout. Il ne peut absolument rien mettre, aucun normal move. Il est un dragon, mais juste ça. Ah, il reste à aller au Ken. Évidemment, au jeu de Tiger Trap, ça tourne en faveur de Ryu. Mais la barre du super qui se charge pour Rose, les sous-reflex sont avantageux. La balayette qui passe, sous spark dans la garde, on glisse, on se rapproche du coin. Yamazaki sur la place, c'est du bon, sur une console, mec.